Le jeune Alexandre. Bon, je sais pas si c'est la dernière mission, on va voir. Ignorance et superstition, ce désolait Aristote en marche sur les chemins herbeux des côtes de Mytilène, sont comme deux jumeaux idiots, déboulant côte à côte sur tout le pays. Après la défaite finale contre Sparte dans la guerre du Péloponnèse, Athènes avait perdu foi en elle-même. Devant la peur et le mysticisme qui était né de ces bouleversements, le vieux savant et philosophe Oh! avait choisi de monter vers des Je pensais à cette mission, hein. Ici, à Mytilène, Aristote avait commencé ses recherches en sciences naturelles, observant et répertoriant les caractéristiques innombrables de la flore et de la faune. Mais une nouvelle forme de militarisme était sur le point de s'étendre sur le pays. Un jeune prince, du nom d'Alexandre, s'apprêtait à hériter du royaume de Macédoine. Et un certain savant philosophe allait bientôt être nommé précepteur du futur grand chef de guerre. Je pense pas que ce soit la dernière mission, je pense qu'il y a encore une autre d'ailleurs, enfin, je sais pas. Rejoignez le vieux Aristote en dehors de la cité de Mytilène. Écoutez ce qu'il a à dire. Oh. Voici l'énigme. Oh, je suis vieux. Je fais des abeilles Minecraft, oh. Y a plein de petites fleurs partout. Avec un dosage adéquat, elle pourra répandre la maladie et la famine. Voyons, que pouvons-nous trouver d'autre ici qui ait quelque intérêt? Oh! Oh, de quoi s'agit-il? Une remarquable race de chevaux. N'ont pas leur équivalent sur l'île. Petit poney, petit poney! Nous les avons achetés à un marchand macédonien. Il dit qu'en Macédoine, il dit qu'en Macédoine, se reproduisent dans les collines, à l'état sauvage. Oh. Seigneur Aristote, des messagers du roi Philippe de Macédoine viennent Philippe. Arriver. Ils souhaitent vous parler au plus tôt. Putain, oula, c'est quoi ce ciel rouge? Aristote a été convoqué en Macédoine, où il aura la charge de l'éducation du fils de Philippe. Oh. C'est un honneur immense. Aristote doit prendre place immédiatement à bord du transport macédonien, et se rendre au palais dès son arrivée. Je m'en souviens, le retour va être tragique. Je m'en souviens. Le retour. Oh. Seigneur Aristote, bienvenue. Soyez aimable d'attendre ici le jeune Alexandre, qui tient à vous accueillir lui-même. Ah, ce petit con, mais c'est une quiche! Tu pues la merde! Aristote, le mec il a bien. Tu pues la merde! Je me souviens de l'époque où vous étiez à la cour. Votre père était médecin royal. Et vous voilà engagé pour être mon professeur. Je suis enchanté de cette mission, seigneur. Vous avez l'air en grande forme. La vie de prince vous convient, oserais-je dire. Où se trouve votre père, le roi? Il s'occupe d'un horrible groupe de révoltés alors où nous parlons. Alors, commençons votre formation immédiatement, mon prince. Oui, mon maître. Allons observer votre père. Telle sera votre première leçon. C'est par l'observation du monde qui nous entoure que nous apprenons. Allons observer votre père qui va se faire tuer sur un champ de bataille. Vous allez beaucoup apprendre. Le robot d'Akam, j'avoue, tu sais. Putain. Non, par contre, excusez-moi, c'est plus de vitesse. C'est là les mecs. Oh la montagne. Le prince qui crève en haut, tu sais. Les guerriers des collines attaquent. Je dois aider mon père. Comme c'est sauvage. Je vous conjure de rester à l'écart du combat, sire. En plus, le père il se bat avec une fourche, hein, le paysan, quoi. C'est quoi cette arme de merde? Voilà. Entendez le bruit des lances et le bruit de leur cri d'agonie. Apprenez ça, mon jeune prince. Apprenez la souffrance. Même sans moi. Et il faut t'apprendre, c'est. Moi? Mais que se passe-t-il? Notez avec quelle intelligence ils utilisent leurs cavaliers. Même l'élite des guerriers de votre père pourrait connaître quelques problèmes. Non mais mec, c'est la cavalerie, les phalanges, trois coups, y en a plus. T'as le combat le plus lent de l'histoire, quoi. C'est ralenti, tu sais. Vas-y. Nous avons appris quelque chose d'utile aujourd'hui.
Ah bon ? Il paraît que d'admirables chevaux sauvages se trouvent dans les collines de Macédoine. Avec de tels animaux, nous devrions pouvoir combiner les tactiques de votre père avec celles de ces cavaliers que nous venons d'observer. Voyons si nous parvenons à trouver ces chevaux. Ces chevals, s'il te plaît. On dit cheval. Attendez, laissez-moi parler à mon père un moment. Père, attendez. Puis-je discuter de la paix un moment avec vous ? Fuck the police ! Pom, 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 pom. Fuck the police ! Occupez pour le moment, c'est René. Retournons à nos études. Je n'ai qu'un rejeton de la société. Elle retourne jouer à Fortnite, le petit con là, il casse pas les couilles là. Et le mec, comment il se barre ? Fuck the police ! Je prédis la victoire. C'est ce point, mais je sais pas moi, vos points les. J'en ai aucune idée. Plutôt fucking idée. Mais je fais quoi moi du coup? Dans les collines à l'ouest, d'accord. À l'ouest de la ville. Ah bah ils sont là, oui voilà. Petit poney, petit poney. Bien mon seigneur. Bien mon seigneur, il a changé de voix, tiens. C'est trop ça, Max Vita. Petit pot. Ah, attendez, je vais te faire un truc cruel. Est-ce que pour un cinématique, est-ce qu'il va, il va tuer un cheval? Oui. Ah non, merde, on va les tuer. Mais non! Ramenons-les jusqu'aux écuries de la ville. Oh, j'aurais dû en tuer un, putain. Ah, ils sont forts les chevaux, hein. Ils savent exactement où aller. Oh! Alexandre a été assassiné aux portes de la ville. Les meurtriers doivent être retrouvés et mis à mort en punition de leur horrible forfait. Alors personnellement, deux mecs qui one shot une unité amusante PV, moi j'irai pas me frotter à eux. Hein. Ouais, ça prendra ce connard de père là. Être mal poli. Mais cette vengeance absurde ne me réconforte guère. J'ai perdu mon père, et je ne pourrai jamais plus converser avec lui. Maintenant que l'assassinat du roi Philippe est puni, toute la Macédoine est prête à accepter Alexandre comme son nouveau souverain. Alexandre et son professeur respecté sont attendus à l'hôtel de ville macédonien. Ah merde, il a disparu ce con, il a rage-quit. À monter sur le trône. Le jeune Alexandre est à présent dans l'hôtel de ville. Ah d'accord, merde. Il sera déclaré roi dès qu'il aura achevé sa formation. Commencer son entraînement. De quoi on va faire un tuto? Ah, il faut que je le produise. Ah, ok. Eureka! Eureka! J'ai compris comment utiliser les chevaux que mon maître et les poneys avons repéré pendant ses études. Lorsqu'Alexandre sera nouveau roi, il sera en mesure d'entraîner des cavaliers d'élite. Ça stratège en plus, ça, c'est bien ça. Ils deviendront ses compagnons. Qui plus est, je devrais pouvoir encore aider mon maître. Je peux revenir à Mytilène et y chercher des herbes aptes à répandre des maladies chez nos ennemis. Oh le mec carrément quoi, c'est... Allez, on va foutre le chikungunya chez ces barbares, oh, ces petits cons là. Oh, je suis retourné sur mon fort boyard. Oh. Allez, c'est parti. Là, 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 ouh là là. Ah oui, c'est ça. Si t'y allais à la zub, tu pouvais crever comme un caca, mais je crois qu'on peut esquiver les ouragans. Putain, putain. Et attendez. Je crois que ça, c'est comme une mission bonus. C'est genre, il crève, bisous. Ou soit si... Non. Ah bah non. Attendez, mais non, non, il est pas mort. Ah non, non. Ah, je pensais pas, ça a autant de portée, cette merde. Attends, j'ai la merde, peut-être y'a aucun moyen de le sauver en fait. Ah d'accord, ok. Merci Alexandre. Je vois qu'il crève moi. Il va rester sur son bateau. S'acclame Alexandre, fils de Philippe, le nouveau roi de Macédoine. Vous dirigez maintenant les armées et les infrastructures. Regardez, en plus il soigne. Il est gentil. Un messager venu du sud s'approche de la cité au galop. Des nouvelles terribles, à n'en pas douter. Petit poney, petit poney. Sire, j'ai de graves nouvelles à annoncer. Convaincu que vous et votre père êtes morts, Athènes et Thèbes sont entrés en rébellion. À l'heure où je vous parle,
Elles assemblent des troupes et se préparent à la guerre. En violation des traités qui les unissent à la Macédoine. Si Alexandre veut renforcer son trône et la domination de la Macédoine sur la Grèce, il doit mettre fin à la rébellion en écrasant les armées de Thèbes et d'Athènes. Attends, c'est quoi ce ouragan là, putain? Merci là, la caméra. Petit poney. Faut que j'arrête de faire ça, je suis désolé, mais. Où sont les mines? Mine de pierre, bah super, je suis content. J'ai rien à foutre des mines de pierre, putain. On va faire quelques toiles au cas où. Je sais jamais. Ouais, une dernière là, allez. Il y a des fermes là-bas, ouais. Alors moi je vais faire des compagnons, c'est ça? Ah voilà, c'est ça, compagnons. Attends, on va créer une pour voir les stats. Par contre, je cherche un petit poney, petit poney. Il n'y a pas de place pour tous. Des royaumes succombent. What the fuck? Ah, c'est bien gentil de me donner du plein de pierres, mais nos cousins grecs dépendent de leurs phalanges et de leurs catapultes. Il n'y a pas de place pour tous. Mais avec votre nouvelle cavalerie, vous pouvez les attaquer sur les flancs et les éliminer rapidement. Vraiment, avec de tels cavaliers, il n'est pas d'armée sur terre qui puisse vous résister. Et quand les mecs ils arment des 4 poneys, c'est bon quoi, c'est les meilleurs poneys de l'histoire quoi. Mais on en parle qu'à 0... C'est quoi ce flanc cul encore? Ça me saoule. Alors fais voir. Donc on a quoi? 288 PV, 17 d'attaque, ouais, et lui? Hop. Plus d'attaque, a plus de défense au choc, ouais, d'accord. Par contre, pourquoi il a pas de boost lui? C'est quoi l'arnaque? Ah, parce que c'est une cavalerie lance, c'est ça? Ah oui. Attaque, point de vie. Puis voilà. Voilà, là c'est mieux. Mais il n'y a pas de mine. César retourne au champ des furies de Méthane pour aider Alexandre, mais ce n'est pas obligatoire, donc c'est-à-dire qu'il y a un moyen d'y aller, non? C'est-à-dire qu'il y a un moyen d'y aller sans me faire baiser par les ouragans? Ah oui, hisse les voiles. Oh, ça passe. Ça passe, oui. Qui a réussi la mission? Eh va sur tes fleurs, les mecs, casse pas les couilles. Ah non, mais il avait des trucs! Mais quel connard! Aider Alexandre à assujettir ceux qui voudraient se révolter contre lui. Assujettir? Mais quel connard! Mais il savait rien faire, maintenant il sait faire des trucs! Oh. C'est trop près ça, c'est trop près, non? C'est bon? Oh, magnifique, regardez, perfect! Perfect! Nickel. Non, c'est ça, en fait, il a appris à faire des spells en fait. Avec ces herbes spéciales que sur mon terre, bah oui. Je peux aider Alexandre à assujettir ceux qui voudraient se révolter contre lui. En fait, c'est juste un prophète, quoi. C'est... Je pensais qu'il allait me donner des Hyperions, des Arès, mais non, en fait, c'est que de la connerie. Super. Bon, du coup, je suis quoi, moi? Je suis baisé, là. J'ai pas de ressources. Au secours. Ah, mais attendez, on peut faire des kiki. Mon kiki. Et lui, t'es où le kiki? Par contre, on n'a pas d'hôpitaux aussi. Ça, c'est triste. C'est ça, non, mais c'est ça, Mumba, c'est ça. C'est... Je vais pas savoir ce qu'il a ramassé comme herbe, mais bon. Oh, oh les dieux! Les dieux! Les dieux m'ont parlé! Oh. Attends, est-ce que je fais pas troll? Ah, je peux péter la forêt avec un sanglant? Les dieux sont avec moi! Deus Vul! Adieu! Ah, c'est cool. Est-ce que ça sert à rien? Oui. C'est rigolo.
Ah, oh, ça c'était de la bonne. Oh oui. Ça c'était de la bonne. Avec Whisper et Kiki là. Yo mon autre chien là, j'ai 4 chiens dans le monde. Ah, il est là. Mon Kiki. Bon bah voilà. Il faudrait des mines maintenant, ce serait pas mal quand même. Une mine. Du coup, faire quoi? Faut péter les autos de ville, c'est ça? Batter. Ah oui, d'accord, battre. Okidoki. Mokiki. Ah oui, c'est vrai. Je crois qu'on me fait un truc. Tu sais, je peux booster, booster la vitesse des villageois aussi, c'est important ça. Vitesse. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Je garde Ojiko pour les points de vie. Bon, je pense que j'aurai pas assez de points. Voilà, c'est bon, travailler plus vite. Parfait. On parle de tous cette pierre ou comment ça se passe là? On en parle qu'il y a genre zéro mine aussi. Mais faut que j'aille à la zone comme ça là. Après bon j'ai un healer donc. Votre Majesté, vous devez faire attention à ne pas dépenser un. Ah d'accord, ok. Votre père vous a légué des caisses bien vides. Vous n'obtiendrez de l'or et du fer qu'en pillant les soutiens de vos ennemis. Bah oui, mais connard, faut que je sois une armée. Oh merde. Kiki mort, mon Kiki. Ok, bah écoutez. Écoutez. On va faire des troupes, hein. On nous attaque. Mais non, mais. Mon Kiki s'est fait buter par où? Oh non, peut-être pas en fait. Ah, peut-être il vient. Oh putain, attendez. Alors là, Aristote, là tu peux faire play of the game là. Play of the game. Non, il peut venir. Attends, c'est boule. Si j'en fous une malaria en pleine poire, ils vont tellement prendre cher. Ou sinon, j'en balance un volcan sur la gueule. Voilà, salut. Hein. De toute façon, moi je suis pas papa la baston. Voilà, là on est à sec. On a plus de ressources. Bisous. Mais comment il se la pète? Et lui il sait rien, lui, c'est un figurant. Oh! Le ministre royal à moitié volpé quoi. Ah, tous les chiens sont morts du coup. Tous les kiki. Mon kiki. Ah, j'en fais d'autres parce que c'est rigolo. Le mec, t'es. T'es quoi, l'eau? La SPA, oui, bonjour. Enchanté. Non, mais ils ont pas exploré toute la côte ouest là. C'est quoi l'arnaque là? Moi, Kiki. Toi, tu vas explorer. Tu vas faire tout ça là. Alors. Tant que volcan s'arrête. La prank d'Aristote là. Quels sont les ordres? Je suis sûr qu'il n'y a rien du tout là-bas.
Par contre, les miliciens, ils sont suicidaires. Ils adorent foncer sur les bases ennemies. Hein. J'ai envie d'explorer, mais... Là, c'est ça s'appelle l'habitat. Voilà. Oui, ça tape entre eux bien, bien. Oh là, la strat. Par contre, des scorpions, hein, relou, quoi. Pour la cavalerie, ils vont bien encaisser. Mon Kiki. Cours, Kiki, cours. Il a pas semé, putain. Le chien qui fout la merde, quoi, c'est... Oh shit, bonjour. Ah, tu m'as pas vu, toi, tu... Oh, il m'a vu. Aouh. Aouh. Ah, au revoir. On nous attaque. Mon Kiki. Où dois-je aller? Mort au païen. Quels sont les ordres? Où dois-je aller? Bah, écoutez, on va y aller, allez, c'est parti, hein. J'ai peur. Par contre, s'ils ont pas de temple, les gars, s'ils ont pas de temple, ils sont dans la merde. Hein. Parce que là, je vais raser leur ville. Hein. Vas-y, vais lui. Le scorpion Nick. Ils sont plus chers. C'est pas fini quoi. Oh là là, les casse-couilles. Bon, la cavalerie tient le coup. C'est pas mal. Oh non, il faut que l'autre soigne tout là. Le healer en PLS. Est-ce que c'était craqué? Non, pas du tout. Ah merde, il y a des murs, putain. Ah bah c'est ouvert. Ah, non, ouvrez-moi s'il vous plaît. C'est un ordre. Il y a un temple, putain. Regardez, regardez, vous êtes prêts? Regardez le village, voilà, regardez. Non, reste là. Merci. Merci beaucoup, hein! J'en voudrais ça. Non, mais par contre, sortez pas. Hein. T'as repété le temple. Hein. Dick le temple, Dick. Ils ont plus de troupes là. J'ai tout niqué là, je pense, non? Ah, mais il y a une université aussi, putain. Qu'est-ce couille. Ah, mais non, regardez, là, je. Peut-être l'université à un certain stade, en fait, ça protège, je sais pas. Tu vois au papy, là. Il vient d'aider son pote, là. Ah oui, oui, merci, merci d'ouvrir la porte. Merci beaucoup. Il m'a enfermé derrière, putain. Alors, bonjour. Au revoir. J'aurais dû faire un séisme sur le... On nous attaque. Quels sont les ordres? Mort au païen. Putain, merde, il est défoncé ma cavalerie, putain. Quels sont les ordres? Quels sont les ordres? Où dois-je aller? Les ordres? Où dois-je aller? On nous attaque. Quels sont les ordres? Mort au païen. Okay, bah, allez, viens. Ramène-toi. Mort au païen. Mais faut faire quoi là? Faut tout niquer ou je crois pas là? Voilà. Les de Thèbes demandent la paix. La Macédoine a reçu de Thèbes un chevou d'or et de... Ah merde! Que honte! Salut Franco. Welcome, welcome. Mais mon père n'est plus là pour partager ma joie. Pour le trône.
Bon après, ouais. Bon, ici, j'ai peut-être tout pété chez ce... Attends, tu veux un peu de bois? Pour que tu puisses en construire? Tiens, regarde. Voilà. Je suis gentil. Juste tuer toutes tes femmes et tes enfants et toute ton armée, mais voilà, je te donne 200 de bois, voilà, pour compenser. C'est comme Fallout 76 quand ils ont donné 500 atomes suite à la collector, voilà, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va améliorer, bordel? Eh ben, je ne sais point. Ah oui, c'était les points de vie, mais il manque un point. Allez, bonne chance pour te reconstruire. Hein. Ouais, du coup, faut jouer d'autres cavaleries. D'autres cavaloules. Ça se met à la cavalerie, c'est rigolo. Aïe. Non mais ça je crois qu'il a bugué là. Je crois que je l'ai fait bugger le truc. Il sait plus quoi faire. Attends mais là t'as assez de bois là pour croquer un Capitole là. Bah écoute. Bah écoute, moi quand je fais la guerre, moi je fais pas les choses à moitié hein. C'est un petit coup de cise mais bisous hein. Eh, où ce con? Ah, je suis vieux. Je suis si vieux. Quels sont les ordres? Ah, c'est ça, voilà, il se met full récolte et il sait plus quoi faire. Eh ben super. Eh bien, je peux utiliser sa base qu'en avant-poste. Putain. Petit poney, petit poney. Bon, en tout cas, si on veut du bois, je pense qu'on a ce qu'il faut. Putain, avec tout ce qu'il y a. Ah, il est toujours vivant le Kiki. Moi, Kiki. On va explorer. Je pourrais faire d'autres soldats, oui, attendez, ça fait 60. Je pourrais faire 4 de plus. Tac. Ah, je les ai pas fait le mur, bon, c'est pas grave. Donc l'attaque est à fond. Principal. Allez, pour la prank. Voilà. Allez. Amuse-toi, Alexandre. Je vois que tu t'ennuies, donc voilà. Je t'occupe un peu. J'ai aimé ma prank, bande de petits cons. Je suis si vieux. Mon kiki. Par contre, le bleu, ouais, c'est quoi? C'est Athènes, c'est ça? Ouais. Ils ont l'air d'avoir pas mal d'armées. Peut-être j'ai un peu fort avec le malaria là. Allez, plus vite, Bambi. À côté rock'n'roll là. Le rock'n'loul. Ah, c'est beaucoup de cavalerie là. C'est quoi le raccourci déjà pour un... Ah oui, voilà.
Oh oui. Ah, elle est magnifique. C'est ce que moi, c'est ce que j'adore dans ce jeu. Quand tu fais la route, bande de cons. YOLO! Petit poney, petit poney! Plus tellement bien. C'est à l'époque, c'était ouf ça de faire ça. Bon, par contre, ouais, l'infanterie qui a la ramasse. Attends, on va les attendre. Attends, je regardais un truc aussi, on peut pas changer les contrôles, non? Ah, fait chier. Parce que le fait que la touche stop ce soit P, c'est vraiment pas pratique du tout, quoi. C'est une chiasse. Ah bonjour, oulala, oulala! Oulala, oulala, oulala! Au secours. Ah d'accord, ok. Au revoir. Elle a aussi consenti à verser un tribut de fer et d'or. De fer. Sparte, menacée par le brillant jeune roi de Macédoine, est entrée en guerre. Ah merde. En ce moment même, les Spartiates marchent sur la capitale macédonienne. Ah merde, ils arrivent. Shit. Plus de cavalerie. Plus. Bon, après j'ai les tours et tout, donc ça va bien m'aider ça. Normalement. C'est quoi? Il fait encore plus de tours. Peu chez vous par contre. Je sais qu'on peut faire chez mes fermes. Quels sont les ordres? Pour le trône. Tous sur le pain. Ah mais normalement ils vont suivre cette route logiquement, donc ils vont arriver par là. Alexandre, fais ton boulot de healer là. La cité est attaquée. Si le palais est détruit, les citoyens paniqués se révolteront. Et le règne d'Alexandre prendra fin. Tout va bien, tout va bien. Oh, attendez, j'ai une idée. Oh, attendez, regardez ça. Vous êtes prêts pour le move de génie? Si j'y arrive. Oh! Papy, papy! Fais pas le con, papy, s'il te plaît. Là, c'est bon de balancer ton truc là. Oh là 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 là! En plein dans le mille. Là, ça fait mal ça. Là, on envoie la cavalerie. D'accord, mais en fait, ils sont déjà tous morts là. Bisous. Hein. Attends, venez par là. Venez au niveau des toiles, vous allez voir, c'est marrant. T'as juste ce cavalier violent, hein. Ah, c'est pas fini, merde. Oh là là. Oh shit. Ah, mais comment ils m'ont tendu un piège. Oh les bâtards. Ah, les enculés. Protéger le roi. Oh le prince. T'as comment il a pris cher Alexandre. On va se regrouper là-bas. Easy. Easy money. Sparte, Athènes et Thèbes ont été vaincus par les armées d'Alexandre. La Grèce est désormais unie sous la férule macédonienne et de grandes conquêtes sont encore à venir. Bientôt, le monde connaîtra le nom d'Alexandre le Grand.
Voilà, easy. C'est la dernière mission ou pas? C'est la question que je me pose. Parce que pour l'instant, la campagne grecque, bon, j'ai un peu touchette. Hein. C'est en même temps, bon, c'est des premiers âges. Hein. T'as quoi? T'as 3 unités, t'es couilles et c'est tout, quoi. C'est. Putain. Ah, j'ai quand même perdu 43 unités, hein. C'est pas terrible. Hein.